Everybody coming, let's dance.
To worship you, I need to worship.
Before she took this decision, avant de prendre cette décision, she talked with her parents about it. Elle a parlé avec ses parents. Because I will not baptize a child, parce que je ne baptiserai pas un enfant, unless the father, aunt, or mother are okay. À moins que le père et ou la mère soient d'accord. Amen. And brother Isaac and sister Aluba, le frère Isaac et la sœur Aluba, they have given their go. Ont donné leur accord. And that's very important for me. C'est très important pour moi. Amen. That's very important. C'est très important pour moi. And so last week we sat together, Sarah and I. Donc la semaine dernière nous sommes assis avec Sarah. And nobody can change her mind. Et personne ne peut changer son avis, frère Isaac. She wants to live for Jesus. Elle veut vivre pour Jésus. She loves the Lord. Elle aime le Seigneur. And there is no age on it. Et il n'y a rien. Il n'y a pas d'âge pour ça. The moment they can say, I love Jesus. The moment they say, I love Jesus. À partir du moment où ils disent, j'aime Jésus. And I want to live for Jesus. Je veux vivre pour Jésus. They're a candidate for baptism. Ils sont les candidats pour le baptême. And much of what's standing here today is a result of the good leadership of Brother Isaac and Sister Aluba. This is their fruit of their work. C'est le fruit de leur travail. Amen. They have been coming to this church for a long time. They have been an example in faithfulness. Ils ont été un exemple de fidélité. And now they're reaping the fruits. Et maintenant, ils cueillent les fruits. I can't wait till my son stands here. J'ai l'impression de voir mon fils se tenir debout ici. And he decides to get baptized. Et qu'il décide d'être baptisé. Must be one of the most beautiful days. Un des plus beaux jours. When we know that my child, lorsqu'on sait que mon enfant, is going to be covered by the name of, sera couvert par le nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. Church, I'm going to ask a couple of questions. Amen. So you can witness her testimony of faith. Then we will baptize her in the only saving name, which is Jesus Christ. Amen, Sarah. We are here with your family to rejoice with the decision you have taken. Sarah, do you believe that Jesus Christ died for you to save you from your sins? Sarah, crois-tu que Jésus est mort pour tes péchés? Yes. Hallelujah. Sarah, do you believe that He is your God and your Savior? Crois-tu qu'il est ton Dieu et Sauveur? Amen. Sarah, do you vow to the Lord today that you will try to live for Him the best way you can with your parents helping you? Promets-tu au Seigneur que tu essaieras de vivre de la meilleure manière dont tu peux avec l'aide de tes parents? Yes. Amen. Then Sarah, upon the confession of your faith that you have given today, sur la confession de ta foi que tu as donnée aujourd'hui, Sarah, and upon the authority of the Word of God, sur l'autorité de la parole de Dieu, I now baptize you in the name of Jesus Christ. Amen. For the remission of your sins. Yes. Yes. Dans l'alliance avec le Seigneur so Jésus. You can go to heaven. Vous pouvez aller au ciel. Yeah. So I want to ask you,
j'aimerais vous demander maintenant. Anybody that is here today. Quelqu'un qui est présent ici maintenant. You have never been baptized. Vous n'avez jamais été baptisé. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. I ask you to make that decision right now. Je vous demande de prendre cette décision maintenant. To lift up your hand and say, I want to get baptized. D'élever vos mains et dire, je veux être baptisé maintenant. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 If everybody close your eyes. Que tout le monde ferme ses yeux. Those that lifted up their hands, would you step forward? Ceux qui ont élevé leurs mains, pouvez-vous vous avancer? In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. De la grandeur du Seigneur. Amen. Amen. I want to give you, if you could keep standing just for two more minutes. Si vous pouviez rester debout encore quelques instants. I want you to listen to a testimony. J'aimerais que vous écoutiez un témoignage. Of the greatness of God. De la grandeur du Seigneur. Amen. Glory to God. On sert un Dieu puissant. We're serving Almighty God. We do not even notice it. Qui nous protège à chaque instant. He protects us at each time. Dès qu'on sort ou qu'on when we're out or we're taking the car. Il nous tient dans ses mains. He's holding us in his hands. Mercredi, j'ai un accident de voiture. I had a car accident on Wednesday night. Et je suis enceinte de 6 mois et demi. And I'm pregnant with a baby of 6 months and a half. Je conduisais et le choc était très très fort. And I was driving and the shock was so strong. La voiture est complètement cassée. The car is totally crushed. Avec le choc, j'ai cru que mon bébé était mort. Because of the shock, I thought my baby was dead. La première chose que j'ai faite, c'est je me suis mise par terre et j'ai prié. First thing I did was going on the floor and screaming to God. Et le Seigneur nous a protégé mon bébé et moi et tout va très bien. And God protected my baby and myself and everything is okay. Even with the things that we do not notice. And in great situations as well, he takes us. He's taking care of us and he saves us. Hallelujah. They want to commit their lives to the Lord today. Donner leur vie au Seigneur aujourd'hui. Amen. And you see these two people right behind you? Vous voyez, Jerry and Annalise? Jerry and Annalise. They're our youth leaders. Ce sont les pasteurs des jeunes. They're going to help you. Dirigeants des jeunes. They're gonna help you. Ils vont vous aider. Grow in the Lord. À grandir dans le Seigneur. Et tous ces gens que vous voyez, you better help them grow vous avez intérêt à les aider également. Better show a good example. Vous avez intérêt à leur montrer un bon exemple. So they can follow. Qu'ils puissent suivre. Amen. Nous allons vous aider. Grow in Jesus. Can we also pray dans l'éternel. Pour nos petits prier pour vos têtes. Pour les deux. Je vais vous demander quelques questions. So Brandon, I'm going to ask you a few questions. Après, tu mets tes mains comme ça. Hein? Brandon, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Do you believe that the Lord Jesus Christ died for your sins? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton Dieu et ton Sauveur? Do you believe that Jesus is your God and Savior?
Est-ce que tu veux vivre pour le Seigneur toute ta vie, la meilleure façon possible? Do you want to live for Him the best way you can all your life? Amen. Sur base de ta confession, parce que tu as dit oui au Seigneur. On the confession of your faith, because you say yes to the Lord. Jésus va dire oui à toi. Amen. Il va établir une alliance qui dure toute ta vie. Amen. It's going to last forever. Sur base de ta foi. Upon your faith. Et l'autorité de la parole de Dieu. And the authority of the word of God. Je te baptise maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour le pardon de tous tes péchés. Hallelujah. What a beautiful day today. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Odette. Odette. Est-ce que tu crois que le Seigneur est vivant aujourd'hui? You believe that the Lord is alive today. Pour te donner une nouvelle vie. To give you a brand new life. Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix pour tous tes péchés? Est-ce que tu crois que Jésus est ton Dieu et ton Sauveur et il n'y a nul que lui? Est-ce que tu vas donner ta vie pour le Seigneur et tu vas vivre et le suivre selon toute ta vie? Are you going to give your life to God and follow Him through all your life? Hallelujah. Amen. Elle a dit oui au Seigneur. Hallelujah. Le Seigneur va dire oui à elle. Hallelujah. Hallelujah. Maintenant, sur base de la confession de ta foi et l'obéissance à la parole de Dieu, je te baptise maintenant au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tous tes péchés. Isaïe 45, verset 5. It's so good to see Brother Bernard and his family in the house of the Lord today. C'est bon de voir le frère Bernard et sa famille dans la maison. They're not strangers here. Ce ne sont pas des étrangers ici. Praise God, I'm happy to see that they are apart. Et je suis heureux de les voir faire partie Amen. De nous. Amen. May God bless them. Que Dieu les bénisse. Hallelujah. Isaiah 45 verse 5. The Bible says, I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. I girded thee, though thou hast not known me. La Bible dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu, je t'ai saint avant que tu me connusses. Verse 6, that they may know from the rising of the sun and from the west, that there is none beside me, I am the Lord, and there is none else. Verset 6, c'est afin que l'on sache du soleil levant, soleil couchant, que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Amen. I form the light, and I create darkness. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. I make peace and create evil. The Lord do all these things. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Now, as a side note, let me quickly explain to you. Et en aparté, j'aimerais vous expliquer rapidement. That when it says I create evil, quand il dit je crée l'adversité, it doesn't mean moral evil. Ça ne signifie pas le mal moral. Or sin. Ou le péché. God does not create sin. Le Seigneur ne crée pas le péché. God is not the author of moral evil. Dieu n'est pas l'auteur de la méchanceté morale. But in the context of this scripture, mais dans le contexte du verset, when he said I create evil, là où il dit je crée l'adversité, it means I create judgment. Ça signifie je crée le jugement. I create trials. Je crée les épreuves. I create wars. Les guerres. To bring judgment upon nations that have turned their back. Pour faire tomber le jugement sur les nations qui se sont retournées contre moi. I create famines. Je crée la famine. Like he did in Egypt. Comme il l'a fait en Égypte. Amen. He, the Lord, do all these things. Le Seigneur fait toutes ces choses. Verse 8, drop down ye heavens from above, and let the skies pour down righteousness, and let the earth open
Now let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together, and I, the Lord, have created it. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Now verse 9. Verset 9. Woe unto him that striveth with his maker. Malheur à qui conteste avec son créateur. That's a strong language. Ça, c'est fort. Woe unto him that striveth with his maker. Let the potsherds strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioned it, Why makest thou, or thy work, he hath no hands? Malheur à qui conteste avec son créateur vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, Que fais-tu, et ton œuvre, il n'a point de main? Will his work say, Est-ce que son œuvre dit, What are you doing? Que fais-tu? And then Psalm 97, verse 1. Psalm 97, verset 1. Psalm 97, verse 1. Psalm 97, verset 1. Hallelujah. Praise God. Psalm 97, verse 1. The Bible Psalm 97, says, verse 1. The Lord reigneth. Let the earth rejoice. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. Amen. The Lord reigns. L'Éternel règne. Let the earth rejoice. Que la terre soit dans l'allégresse. I'm going to preach to you a simple message. Je vais vous prêcher un message simple. If you want to have a Bible study, you need to come on Wednesday. Si vous voulez avoir une étude biblique, venez le mercredi. This ain't a Bible study. Ça, ce n'est pas une étude biblique. I got a simple message. C'est un message simple. God is still in control. Dieu est toujours au contrôle. Amen. God is still in control. Dieu est toujours au contrôle. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Que la terre soit dans l'allégresse. I want to encourage you this morning. Je veux vous encourager ce matin. Tell the person sitting next to you. Dites à la personne assise à côté de vous. Your life may be out of control. Ta vie est peut-être hors de contrôle. But God is still in control. Mais Dieu est toujours au contrôle. Hallelujah. Hallelujah. Lord, bless the preaching, the ministry of the word. God, anoint us together. Yoke us together with your spirit. And do a mighty work today in Jesus' name. Hallelujah. Everybody say in Jesus' name. The more you will help me, the faster I'll preach and the faster we can go out. Amen. Amen. God is still in control. Coincidence is not a word that you find in God's dictionary. Nothing that has ever happened in your life or that will ever happen in your life will happen without God knowing it. And it will not happen until God approves of it. Et ça n'arrivera pas sans que Dieu l'approuve. There is no event in your life Il n'y a pas d'événement dans votre vie. Or in my life dans ma vie. That ever happens by chance or coincidence. Qui arrive par hasard ou par coïncidence. Amen. Amen. Your life is not a coincidence. Votre vie n'est pas une coïncidence. The fact that they decided to get baptized today is not a coincidence. Le fait que ces jeunes ont décidé de se faire baptiser n'est pas une coïncidence. I believe God knew you. Et je crois que Dieu vous connaissait. And he knew you were coming to church. Il savait que vous viendriez à l'église. And he knew you were going to make that decision. Et il savait que vous prendriez cette décision. I believe God is still in control. Et je crois que Dieu est toujours au contrôle. Of every step we take. De chaque pas que nous prenons. Every decision you make. Chaque décision que nous prenons, and every path you walk in, et chaque sentier que nous empruntons, I believe nothing happens by accident. Et je crois que rien n'arrive par accident. Amen. Chance or luck is not a word that God knows. La chance n'est pas un mot connu par Dieu. He is aware of everything that happens Il in our lives. Il est au courant de tout ce qui se passe dans notre vie. Every trial he knows about. Il connaît toutes nos épreuves. Every valley he knew about. Il connaît toutes les vallées. There is a reason. Il y a une raison. Why you go to school where you go to? Il y a une raison pour laquelle vous allez à l'école où vous allez. Il y a une raison pour laquelle vous travaillez là où vous travaillez. Dieu a une raison pour laquelle vous rencontrez certaines personnes. Il y a aussi une raison pour laquelle vous combattez cette bataille. There is a reason why your life is turned upside down. Il y a une raison pour laquelle votre vie est sans dessus. And there is a reason for that valley in your life. Il y a aussi une raison pour cette vallée dans votre vie. It doesn't mean that just because you go through a valley. Ça ne signifie pas que parce que vous traversez la vallée. That just because your life seems out of control. Que parce que votre vie semble être hors de contrôle. That God has lost control. Que Dieu a perdu le contrôle. Amen. You might be out of control. Vous êtes peut-être hors de contrôle. But God never loses control of any situation. Dieu ne perd jamais le contrôle de la
Le Seigneur a mis dans mon cœur to challenge you this morning, de vous mettre au défi ce matin, to reconsider the way, de reconsidérer la voie, the way that you see God, la voie, la manière dont vous voyez Dieu, the way you see His goodness and His greatness. La manière dont vous considérez sa bonté, sa grandeur. Because if you have a small vision of God, parce que si vous avez une vision petite de you'll Dieu, have small results in your life. Vous aurez de petits résultats dans votre vie. But if you have a great vision of mais God, si vous avez une grande vision de Dieu, you'll have greater results in your life. Vous aurez de plus grands résultats dans votre you'll vie. Have greater victories. De plus grandes victoires. And we have got to come to an understanding. Et nous devons arriver à la compréhension. And put God back on the throne where He belongs. Et remettre Dieu sur le trône auquel il appartient. We would like to level God with our throne. On aimerait mettre Dieu sur notre propre trône. Put Him where we are. Le mettre là où on est. Make Him equal to us. Le rendre égal à nous. But God does not give an account to anybody. Mais Dieu ne rend compte à personne. He sits alone on His throne. Il est seul sur son trône. And He is God alone. Et il est Dieu lui tout seul. I want to encourage you this morning. Je veux vous encourager ce matin. God is still King of Kings. Dieu est toujours roi des rois. And He's still on the throne. N'est pas diminué par vos problèmes. Amen. His power is not diminished by your dilemma. Sa puissance n'est pas diminuée par vos problèmes. But we, as human beings, mais nous, en tant qu'êtres humains, we have a tendency to measure God, nous avons la tendance de mesurer Dieu by the size of our giant. Le mesurer, le comparer à la taille de notre géant. The greater the giant, plus grand est le géant, the smaller God becomes. Plus petit devient Dieu dans notre the more difficult it is, plus c'est difficile, the more we render God small, plus on fait diminuer Dieu. But I would encourage you to do the opposite. Mais je vous encourage à faire l'opposé. The greater the giant, plus grand est le géant, the greater God will become. Plus grand sera Dieu. And we just need to have great people, to slay great giants, pour attaquer de grands géants. Parce que Dieu ne dépend pas de la taille des gens. God can use David, Dieu peut utiliser David, a small shepherd boy, un petit garçon berger, who dedicated his life, qui avait dédié sa vie, to make God great, à rendre Dieu grand. Yes. Saul would come with his armor. Saul venait avec son armure. And he thought, I'm great, so I'm going to slay the great giant. Et il se disait, je suis grand, alors je vais terrasser le géant. And David tried to fit in his armor. Et il a essayé. David tried to fit in his armor. David a essayé de rentrer dans son armure. But it was too big for him. C'était trop grand pour lui. He tried to take the sword. Il a essayé de prendre l'épée. He couldn't work with it. Mais il ne pouvait pas la manier. Because that was not the way God wanted him to slay the giant. Ce n'est pas de cette manière que Dieu voulait qu'il vainque le géant. He wanted him to go in the name of the Lord. Mais il voulait qu'il aille dans le nom du Seigneur. Yes. Hey, you come to me with a sword and a spear. En disant tu viens vers moi avec l'épée. But I come to you. Mais je viens vers toi. In the name. Dans le nom. Il est toujours au contrôle. When we face a crisis in our life, lorsqu'on fait face à une crise dans notre vie, we panic. On panique. We fear. On a la peur. When we feel we lose control, quand on a le sentiment de perdre le contrôle, our immediate reaction is, notre réaction immédiate est, I gotta control this thing. Je dois contrôler cette chose. Gotta get it back into my hands. Je dois le saisir de nouveau dans mes mains. I'm losing grip of the situation. Je perds la situation. I need to get back control. Je dois reprendre le contrôle. But let me tell you something this morning. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. When your life is getting out of control.
control. Lorsque votre vie semble hors de contrôle. When you face a situation, a dilemma. Lorsque vous faites face à un dilemme, une situation. That seems too much for you. Il semble être trop pour vous. There's a sickness. Il y a une maladie. Life deals with you in a way that you think is unfair. La vie vous traite d'une manière injuste. Please hear this preacher this morning. S'il vous plaît, écoutez le prédicateur. That is not a time to blame God. Ce n'est pas ce moment-là qu'il faut accuser Dieu. And ask why God. Why God? Et demandez pourquoi, Seigneur, pourquoi? Yes. It's not a time to say, God, why does it happen to me? Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut demander, Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? It's the time to declare. Mais c'est le moment de déclarer. The Lord reigns. Yeah. Let the earth rejoice. But know that God reigns. Mais sachez que Dieu règne. And that's reason enough. Et c'est une raison suffisante. For us to rejoice. Pour que nous nous réjouissions. Amen. Amen. When things get out of control. Quand les choses sont hors de contrôle. It's time to put it in God's control. Il est temps de les mettre sous contrôle de Dieu. Because He reigns. Parce qu'il règne. Let the earth rejoice. Et que la terre se réjouisse. You're waiting for a reason to dance. Vous attendez une raison pour danser. You're waiting for a reason to worship. Vous attendez une raison pour adorer. I just gave you a reason. Et je viens de vous donner une raison. Que Dieu est au contrôle. Alléluia. 2 Chronicles 20:15. Dieu Chronique chapitre 20 verset 15. Pas nécessaire de tourner là-bas. The Moabites and the Ammonites. Les Moabites et les Ammonites. They came to challenge Jehoshaphat. Sont venus mettre au défi Josaphat. And they war with him. Et ils ont voulu faire la guerre. They cried out to the Lord. Ils se sont écriés au Seigneur. Jehoshaphat said. Jehoshaphat a dit. Are you not the God of heavens? N'es-tu pas le Dieu des cieux? And don't you rule over every kingdom? Et ne règnes-tu pas sur toutes les nations, tous les royaumes? What was he saying? Mais qu'est-ce qu'il disait? Aren't you in control? Et n'es-tu pas au contrôle? Yes. Aren't you in control? N'es-tu pas au contrôle? Of the enemy? De l'ennemi? Let me tell you this morning. Laissez-moi vous dire ce matin. The devil. Le diable is not in control. Il n'est pas au contrôle of anything. Il est au contrôle de rien du tout. Yeah, yeah. Anything he does. Tout ce qu'il fait. Needs to pass by the Father. Doit passer par le Père. Amen. He has got to give his approval. Et le Seigneur doit donner son accord. Hell is not in charge of anything. Et l'enfer n'est au contrôle de rien du tout. He might give you the impression. Vous pouvez avoir cette impression. But he's not in charge of anything. Mais le diable n'est au contrôle de rien du tout. All power has been given to him. Toute la puissance a été donnée à Dieu. Alléluia. Everything that happens. Et tout ce qui se passe. Needs to pass by him. Doit passer par lui. He'll give an approval or not. Et il va donner son accord ou pas. But the devil is not in charge of anything. Mais le diable est au contrôle de rien du tout. Verse 15 of 2 Chronicles and 20. Deux Chroniques 20 verset 15. Said hearken, listen all Judah and inhabitants of Jerusalem. Écoutez Judas et habitants de Jérusalem. And you King Jehoshaphat. Et toi roi Josaphat. Thus says the Lord to you. Ainsi parle l'Éternel à toi. Do not be afraid. N'aie pas peur. Don't be discouraged. Ne sois pas découragé. Because of this great multitude. À cause de cette grande multitude. For the battle is not yours. Car la bataille ne vous appartient pas. It is God's. Elle appartient à Dieu. Jehoshaphat, it's not your battle. Ce n'est pas ta bataille. You're not in control. Tu n'es pas en contrôle. I'm in control. Moi, je suis en contrôle. Amen. You can fight all you want to. Tu peux combattre comme tu veux. But that's not what I want. Mais ce n'est pas ce que je veux. Drop the sword, Jehoshaphat. Laisse tomber, dépose les armes. Lift up your hands, Jehoshaphat. Lève les mains, Jehoshaphat. Because it's not your battle, Jehoshaphat. Ce n'est pas ton combat, Jehoshaphat. It's my battle. C'est mon combat. I feel personally involved. Et
et je m'implique personnellement. C'est mon combat. That sickness that comes in your life, cette maladie qui vient dans votre vie, God feels personally involved. Dieu se sent personnellement impliqué. It's not your battle. Ce n'est plus votre bataille. It's God's. C'est celle de Dieu. The people that hurt you, des gens qui vous ont blessé, God feels personally involved. Dieu se sent personnellement impliqué. It's not your battle. Parce que ce n'est pas votre bataille. It's the Lord. C'est la sienne. The devil attacking you, le diable vous attaque. Drop the sword, my friend. Déposez les armes. Lift up your hands to et levez les mains au Seigneur. And say, I trust you. Et dites, je te fais confiance. You are in control. Tu es au contrôle. Verse 17 says, you shall not need to fight in this battle. Tu ne devras pas combattre dans cette bataille. Stand still. Présentez-vous, tenez-vous là. And see the salvation of the Lord. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Don't fear. N'ayez pas peur. Don't be dismayed. Ne craignez pas, ne craignez point et ne vous effrayez point. Tomorrow go out against them. Demain sortez à leur rencontre. For the Lord et l'Éternel sera avec vous. Amen. I'm in control. Je suis au contrôle. God is still in control. Dieu est toujours au contrôle. Life can deal with us in such a way, la vie peut nous traiter d'une certaine that manière we forget that he's in control. Et d'une manière telle qu'on oublie qu'il est au contrôle. But I want to remind you, je veux vous rappeler, nothing that ever happens, que rien de ce qui se passe happens without his knowledge, arrive sans qu'il le sache. Doesn't matter the army that we face, peu importe l'armée qui est contre nous, or what you brought to church this morning, ou ce que vous avez apporté à l'église ce matin. Somebody help me. It does not matter what your background is. Votre passé n'a pas d'importance. Amen. I asked you to help me so I would be fast. Je vous ai demandé de m'aider pour aller plus vite. So you got to shout amen from time donc to time. Vous devez crier amen de temps en temps. Amen says I agree. Amen signifie yeah. Je suis d'accord. You're saying right now. Vous dites maintenant. Yeah. If you say amen, I'm si vous dites amen. At least I'm thinking, okay, speaking to somebody. Ça veut dire ok, je parle à quelqu'un. So let me start again. Donc je vais commencer. It does not matter what your background is. Votre passé n'a pas d'importance. God is not limited by that. Je n'ai pas limité par ça. It does not matter the situation. La situation n'a pas d'importance. God has not lost control of it. La fournaise ardente. He knew about it. Il le savait. The lion's den. Le puits avec les lions. He knew about it. Il savait ça. The dry bones. Les ossements de péché. He knew about it. Il le savait. L'adultère. L'adultère. He knew about it. Il le savait. The mistake. Les erreurs. He knew about it. Il le connaissait. The denial. Le reniement. He knew about it. Il le savait. The cross. The cross. La croix. He knew about it. He's unlimited in power. Il est illimité dans sa puissance. He's unstoppable in his purpose. Il est inarrêtable dans son but. He sustains every life. Il soutient toute vie. He feeds everything. Il nourrit toute chose. But nobody needs to feed him. Mais personne ne doit le nourrir. He dies all that are lost. Il est mort pour ceux qui sont perdus. He dies. He dies. Ah, il guide ceux qui sont perdus. Amen. All that are lost. Tous ceux qui sont perdus. But he's never lost. Mais il n'est jamais perdu. He gives sight to the blind. Il donne la vue aux aveugles. He never loses us out of sight. Mais pourtant, il ne perd jamais de vue. He carries everybody. Il porte tout le monde. Yet nobody needs to carry him. Mais personne ne doit porter. God stands alone.
Yes. There ain't the Holy Ghost floating around on the left side. Il n'y a pas le Saint-Esprit qui flotte à gauche. There's not a Father sitting on the throne talking with the Son. Il n'y a pas un Père assis sur le trône qui parle au Fils. He is the Alpha and Omega. Yes. Yes. Amen. We gotta get our eyes off the temporary situations. Yes. Amen. On doit détourner nos yeux des situations temporaires. Amen. Amen. Yeah. Amen. 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 I'm used to preaching French right now. Amen. Preach. We gotta get our eyes off temporary events and feelings. Nous devons détourner les yeux des événements temporaires et des sentiments. And look at the greatness of our God. Et regardez pour la grandeur de notre Dieu. He's not limited by tradition. Il n'est pas limité par la tradition. He's not limited by Pentecostalism. Il n'est pas limité par le pentecôtisme. He's not limited by church people. Il n'est pas limité par les gens d'église. He stands alone. Il se tient seul. If we get to understand his greatness, si nous comprenons sa grandeur, and his sovereignty, et sa souveraineté, and his dominion, et sa domination, you will finally stop. Vous allez arrêter finalement. Trying to figure out everything. D'essayer de tout contrôler. Yes. Trying to keep everything under your control. Et essayer de tout garder sous votre contrôle. You can let it. Et vous pouvez le laisser aller. Stop reasoning with God. Vous allez arrêter de contester avec Dieu. Stop arguing with God. Vous allez arrêter de contester avec lui. Stop rebelling against vous allez God. Arrêter de vous rebeller. Isaiah 45, 9 says, Esaïe 45, verset 9 dit, est-ce que l'argile dit à celui qui l'a façonné? Why are you making me like this? Pourquoi m'as-tu fait comme ça? What's going on? Qu'est-ce qui se passe? You don't do that. On ne fait pas ça. There's a reason why you look the way you look. Il y a une raison pour laquelle vous avez cette apparence. And there's no need to change it. Et il n'y a pas de raison de le changer. You don't need to add something to it or distract something from it. Vous ne devez rien enlever ni ajouter. You don't need to make yourself more beautiful by painting something. Vous ne devez pas vous rendre plus beau en peignant quelque chose. God made you the way you are. Dieu vous a créé tel que vous êtes. The size you are is because God decided you would be that size. La taille que vous avez est celle que Dieu a choisie pour vous. The color of your skin is like that because God decided that it would be like that. La couleur de votre peau a été celle décidée par Dieu. Amen. 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 You don't say to the potter why. On ne dit pas au potier pourquoi. Why? Pourquoi? God does not owe us any explanation. Dieu ne nous doit aucune explication. Why? Amen. Pourquoi il fait certaines choses? Or why he doesn't do certain Ou pourquoi things. Il n'en fait pas? He is not obliged to sit down with you. Il n'est pas obligé de s'asseoir avec vous. And give an account. Et de vous rendre des comptes. Why he made you the way you are. Pourquoi il vous a créé tel que vous êtes? Yes. Amen. He does not give an answer to anybody. Il ne donne de réponse à personne. Because he's God. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu seul. He does not give you an answer why he put you there. Il ne vous donne pas une réponse pourquoi il vous a mis là. Why he let you go through certain things. Pourquoi il vous a laissé passer par certaines choses. Let me remind you this morning. Laissez-moi vous rappeler ce matin. He is God. Il est Dieu. And he is God alone. Il est Dieu lui tout seul. Yeah. L'argile ne doit pas dire au potier. Stop doing that. Arrête de faire ça. Don't make me like that. Ne me fais pas comme ça. But it needs to say, God, you're in control. Mais il doit dire Dieu, tu es au contrôle. Fashion my life. Amen. Ma vie. The way you want to. Comme tu le veux. Make me God. Make me God. God is so gracious. Mais Dieu est tellement, a tellement de grâce. God is so gracious. Tellement de miséricordieux. That he will sit down with us. Et il va s'asseoir avec nous. And explain certain things to us. Et il va
Mais parfois il ne le fera pas. The Lord reigns. Le Seigneur règne. Let the earth rejoice. We get to understand that the Lord reigns. Si nous comprenons que l'Éternel règne. That he sits on his throne. Qu'il est assis sur son trône. And his eyes are on you. Et que ses yeux sont fixés vers vous. That he is in control. Qu'il est au contrôle. Every second of your life. De chaque seconde de votre vie. Amen, amen, amen. Amen. C'est la vérité. He knows it all. Hallelujah. Il sait toutes choses. Thank you, my friend. He knows it all. Il sait toutes choses. He knows it all. Chose. You'd stop worrying. Vous allez arrêter de vous inquiéter. Stop getting depressed. Vous allez arrêter de les dépressions. You stop panic. Arrêtez de paniquer. But you would rejoice. Mais vous allez vous réjouir. Knowing that he is en sachant qu'il est Dieu. Amen. The Israelites only worship after the Red Sea. Les Israélites ont adoré seulement après la mer Rouge. Oh, he delivered us. Oh, il nous a délivrés. Oh, Moses, let's sing a song. Oh, Moïse, chantons un chant. Oh, Miriam, let's get the tambourine. Miriam, on va chercher le tambourin. He did it. Il l'a fait. The Lord is great. Le Seigneur est grand. The Lord is great. Le Seigneur est grand. Wasn't that great in Egypt? Mais est-ce qu'il n'était pas grand en Égypte? Yeah. Amen. Wasn't that great when they put you on the line in a basket? Est-ce que le Seigneur n'était pas grand quand tu as été mis dans un panier? Parce qu'il y a dans le panier sur le lit, parce qu'il y a des crocodiles dans le lit. But God was in mais Dieu était au contrôle. Nobody would touch baby Moses. Personne n'a touché le bébé Moïse. We want to dance. On veut danser and sing et chanter when we pass through the Red Sea. Quand on a traversé la mer Rouge. I dance and sing. Moi, je danse et je chante. When I'm looking at the Red Sea. Quand je regarde la mer Rouge. The Lord is great. Aucun bateau ne va couler quand le Dieu Tout-Puissant dort dedans. Amen. That's logically impossible. Ça c'est logiquement impossible. If we go under, si on coule, he'll create a submarine. I don't know what he needs to do. Il va peut-être créer un sous-marin. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il sera au contrôle. He's in control. Il est au contrôle. Yeah. Let him sleep. Qu'il dorme. Because he's in control of parce qu'il est au contrôle de tout. If you don't feel him, si vous ne le sentez pas, he's still il est quand même au contrôle. Amen. Alléluia. When you get frustrated, quand vous êtes frustré, your prayer time, it seems like nothing is working. Et que durant vos moments de prière, vous avez l'impression que rien ne marche. Still in control. Il est toujours au contrôle. You're praying for healing. Vous priez pour la guérison. Somebody dies. Quelqu'un meurt. Still in control. Il est toujours au contrôle. That does not change him. Ça ne le change pas. The Lord reigns. Que l'Éternel règne. Let the earth. Et que la terre se réjouisse. Amen. You will need this, my friend. Vous allez avoir besoin de ceci. When the devil comes knocking on your door. Quand l'ennemi, le diable vient frapper à la porte. When sickness is attacking you. Quand la maladie vous attaque. Or when a financial crisis comes to your family. Ou quand une crise financière vient dans votre famille. This word gets to ring in your spirit. Cette parole doit résonner dans votre esprit. I know it's simple. Je sais que c'est simple. If you want deeper stuff, you're welcome on Wednesday.
Si vous voulez quelque chose de plus profond, venez le mercredi. But God is in control of everything. Dieu est en contrôle de toutes choses. Tout. Yes. And nothing happens. Et rien ne se passe. Until he signs approve. Jusqu'à ce qu'il signe approuvé. I can't do anything on my job. Je ne peux rien faire dans mon travail. Until my manager. Jusqu'à ce que mon manager signs a paper. Signe un document. I can't recruit new people. Je ne peux pas recruter de nouvelles personnes. I can't fire people. Je ne peux pas licencier des personnes. Until the manager says tant que le manager ne dit pas approuvé. I don't want to compare God to a manager. Je ne veux pas comparer Dieu à un manager. He's much more than that. Il est bien plus que ça. But nothing happens. Mais rien ne se passe. No prayer request is answered. Aucune requête de prière n'obtient réponse. No attack will happen in your life. Aucune attaque ne surviendra dans votre vie. Until it passes by his throne. Tant que ça ne passera pas dans ton trône. And he says, I approve. Et qu'il ne dise, je l'approuve. Amen. Let's put God back where he belongs. Yes. Mettons Dieu à sa place. Let's get him out of the Pentecostal box. Sortons-le de la boîte pentecôtiste. Where we name it and claim it. Là où on le réclame, on le proclame. God is our spiritual genie in a bottle. Dieu est notre génie dans la boîte, dans la bouteille. I already said this. You rub in the right way. On frotte dans le bon sens. And he needs to show up. Et il doit se montrer. There's only one reason why he will show up. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle il va se montrer. If our motive for praise and worship si nos motifs pour la louange et l'adoration is not dependent on external situations, ne sont pas dépendants des situations externes, but it depends solely on his goodness and greatness, mais que cela dépend seulement de sa bonté, de sa grâce, then he will come. Alors là, il se montrera. Amen. 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 We know Job. On connaît Job. Nothing happened in his life. Rien ne s'est passé dans sa vie. Unless God allowed it to happen. Avant que Dieu ne l'approuve. Yes. The dark place you are in. Le coin sombre dans lequel vous êtes. God approved of it. Dieu l'approuve. Because he's in control. Parce qu'il est au contrôle. It serves a purpose. Et cela sert pour un but. It's there for you. C'est là pour vous. Not to break you. Pas pour vous briser. But to make you. Mais pour vous faire. Pour vous façonner. God will allow you to be broken. Dieu vous permettra d'être brisé. To such a point. Jusqu'à un point. Where there will always be something left. Où il y aura quelque chose qui reste. That he can work with. Avec lequel il pourra travailler. Will never destroy or allow something to be destroyed completely. Il ne va jamais détruire ou permettre que quelque chose soit détruit totalement. He needs something to work with. Parce qu'il a besoin de quelque chose avec quoi travailler. The little you might have left. Le peu qui vous reste. It's enough for God. Est suffisant pour Dieu. Yes. He controls it. Parce qu'il est au contrôle de ça. Amen. Amen. When you go home today, lorsque vous rentrez à la maison, he's in control of your footsteps. Il est au contrôle de vos pas. He controls the cars that are driving up and down the street. Il contrôle la voiture que vous conduisez dans la rue. He's in control of your electricity. Il est au contrôle de votre électricité. He's in control of the people you work with. Au contrôle de vos collègues de travail. He's in control of the people that might come against you. Au contrôle des gens qui viendront contre vous. He's in control of that bill that's laying on your table and you're figuring out how you're going to pay it. Il est au contrôle de toute cette facture que vous n'arrivez même pas à payer. He's in control of it. Il est au contrôle de tout he ça. He knows about it. Il sait de he cares chose. About it. Il s'en soucie. And he will make a way. Il est contrôle. Alléluia. Et so Job said God. Et Job a dit Dieu. Pourquoi? And then the Lord answered to Job. Ensuite le Seigneur lui a répondu. And he rebuked him sternly. Et il a fermement réprimandé. Because the clay was saying to the potter why. Parce que l'argile répondait au potier pourquoi? And in Job 38 and 2. Job 38, verset 2. He puts Job in his place. Il a remis Job à sa place. Yeah. And puts himself where he belongs. Et il s'est remis lui-même à sa propre place. He says, Job, il a dit Job, who is this that darkens my counsel? Qu'est-ce ceci qui vient obscurcir mon conseil?
with words that do not have any understanding. Avec des mots qui n'ont aucun sens. Job 38:2. Then he says, gird up your loins like a man. Verse 3, gird up your loins like a man. S'intéresser comme un vaillant homme. That in modern language, en langage moderne, that means get ready. Ça signifie prépare-toi. Because I'm about to get ready. Parce que je suis sur le point de faire quelque chose. Prépare-toi. Because I'm going to demand something of you. Parce que je vais te demander des choses. Je vais exiger des choses de toi. And you better answer me. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job. Where were you? Où étais-tu? When I laid the foundations of the earth. Quand je fondais la terre. Amen. That would always okay, God, you can stop. I understand. Là, on pourrait déjà dire, ok, Seigneur, je comprends. But he goes on for 2 chapters. Mais il continue pendant 2 chapitres. Where were you? Où étais-tu? Yes. Job. Declare it if you got understanding. Dis-le si tu as de l'intelligence. Job. Where were you? Où étais-tu? When I took a star. Quand j'ai pris les étoiles. And flung it in its place. Et que je les ai mises à leur place. Where were you? Où étais-tu? Where are you, Job? Où étais-tu, Job? When I let drops of rain fall on the earth. Quand j'ai laissé des gouttes de pluie tomber sur la terre. Where are you? Où étais-tu? You're nowhere. Yes. Nulle part. Because I stand. Parce que je suis seul. I am in control. Je suis au contrôle. Let this sink deep into your spirit. Et que ceci soit profondément ancré dans votre esprit. Oh, I cannot pay this. Mais je ne peux pas payer ceci. Where were you? Où étais-tu? When I created the universe. Quand j'ai créé l'univers. I possess everything. Je possède tout. Everything. Tout. Yes. Amen. I can open doors like that. Je peux ouvrir des portes comme ceci. And I can close them like that. Et je peux les fermer comme ceci. Amen, amen. We gotta submit. On doit se soumettre. To his sovereignty. À sa souveraineté. I'm gonna conclude, please stand. Je vais conclure, s'il vous plaît, levez-vous. Some of us think that we are equal with God. Certains disent qu'ils sont égaux avec Dieu. But we're not. Mais nous ne le sommes pas. He does what he pleases. Il fait ce qui lui plaît. But I'm going to show you the beauty of everything. Mais je vais vous montrer la beauté de ces choses. I'll show it to you right here. Je vais vous montrer maintenant. Matthieu 10:29. You can walk out of this church vous today. Pouvez quitter cette église aujourd'hui. He's in control. Et il sera en contrôle. I know I'm going to my job tomorrow. Je sais que j'irai au travail demain. There's some people that don't like me. Et il y a des gens qui ne m'aiment pas. And there's a crisis in my company. Il y a une crise dans mon entreprise. God is in control. Dieu est en contrôle. I'm not where I should be. Je ne suis pas là où je devrais être. I'm living in sin. Je vis dans le péché. God Dieu est en contrôle. Amen. He'll make a way. Il va faire un chemin. He'll make a way. Il va faire un chemin. I got a sickness in my body. J'ai une maladie dans mon corps. Il est en contrôle. Alléluia. Il est au contrôle du cancer. Au contrôle de la leucémie. Il est au contrôle de l'anorexie. Il est au contrôle des addictions. Il est au contrôle de toutes choses. Rien n'échappe à son attention. Écoutez ce que Jésus a dit. Matthieu 10:29. What a great God. Quel grand Dieu. Are not 2 sparrows sold for a farthing? That's a little bit of money. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? C'est une petite somme d'argent. The Bible says, yet none of them will fall to the ground without the will of God. Cependant, ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de votre Père. The smallest of birds le plus petit des oiseaux will not fall to the ground ne tombera pas à terre without God approving of it. Sans l'approbation de Dieu.
Have confidence today to say, ayez confiance de dire aujourd'hui, whatever falls in your life, quoi que ce soit qui tombe dans votre whatever vie, happens, quoi qu'il se passe, whether it be good or bad, que ce soit bon ou mauvais, it will never happen, ça ne se passera jamais, outside or, of the knowledge and will of God. Hors de la connaissance ni de la volonté de Dieu. Amen. He allowed it. The pain you went through. La douleur par laquelle vous êtes. He allowed it. Il permet cela. The financial blessing. Les bénédictions financières. He allowed it. Il permet. The financial difficulty. Et les difficultés financières. He allowed it. Il le permet. The joy. La joie. He allows it. Il la permet. The scar. Les cicatrices. He allowed it. Il le permet. But listen. Mais écoutez. We're gonna go full circle. Nous allons boucler la boucle. And bring it all to where it comes down to. Verse 30. Verset 30. But the very hairs of your head are all numbered. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Why does he number the hairs of my head? Pourquoi est-ce qu'il compte les cheveux sur ma tête? Because he cares. Parce qu'il se soucie de moi. About you. Il se soucie de vous. Verse 31. Verset 31. Don't be afraid. Ne vous craignez donc point. For you are more valuable than many. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. He's in control. Il est au contrôle. And he does what he wants. Il fait ce qui lui plaît. Yet, pourtant, you're precious to him. Vous êtes précieux pour lui. Alléluia. You're not just a bird. So it's not a tyrant. Alors, c'est pas un tyran. C'est pas un tyran. That doesn't dictate anything and everything. Il y a un dictateur sur toute chose. But he's a father. Mais c'est un père. Yeah. Amen. Amen. A father in control. Un père au contrôle. He'll never hurt you. Il ne va jamais vous blesser. Life situations may hurt you. La vie et les situations pourront vous blesser. But he'll turn it around. Mais il va renverser ces situations. Alléluia. Pour votre bien. He knows who you are. Il sait qui vous êtes. He knows what you need. Il sait ce dont vous avez besoin. To fulfill his purpose in your life. Pour accomplir son but dans votre vie. Somebody said, I got a purpose. Et quelqu'un dit, j'ai un but. I got a purpose. J'ai un but. I'm not a purposeless zombie. Je ne suis pas un zombie qui marche sans but. I'm a puppet on the street. Ou une marionnette. No, you got a purpose. Sachez que vous avez un but. Otherwise, he wouldn't have anything to control. Sinon, il n'aurait rien à contrôler. Yes. But he created you. La raison pour laquelle il vous a créé. He created you with a purpose. Il vous a créé avec un but. And it's more than just coming to church. Et c'est plus que de venir à l'église. It's to walk with him. C'est pour marcher avec lui. Beaucoup de chrétiens say, God, disent Dieu, this is my car. C'est ma voiture. Thank you for giving the keys. Merci de m'avoir donné les clés. Let me drive. Je vais la conduire. I'll type in the GPS and you tell me where to go. Je vais taper sur le GPS, tu vas me dire où aller. Because, but if you don't like the voice, we turn it off. Mais si on n'aime pas la voix du GPS, on éteint. That's how a lot of Christians walk with God. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens marchent avec Dieu. Let me drive, God. Seigneur, laisse-moi conduire ma voiture. Some of them say, okay, God, you can drive. Certains disent, Dieu, ok, tu peux conduire. Let me sit next to you. Mais laisse-moi m'asseoir à côté de toi. You know, if you got lost, let me help you. Comme ça, si tu es perdu, je peux t'aider. Watch out, God. Fais attention. You don't see that coming? Tu ne vois pas ça arriver.
This is how you need to live your life. Voici comment vous devez vivre votre vie. Here are the keys. Voici les clés. Take a seat. Vous prenez place. I'll get in the trunk. Je vais aller dans le coffre-fort. And you just drive. Je vais aller dans le coffre arrière et toi tu vas rouler. Because I know you're in control. Parce que je sais que tu es en contrôle. Let go. Laissez aller. Laissez aller. He has a plan for you. Il a un plan pour vous. And a purpose for everything that happens in your life. Qui se passe dans votre vie. For those of you that get baptized. Pour ceux qui se sont fait baptiser. He's got a plan for your life. Il a un plan pour vous. Amen. He's in control of your future. Il est en contrôle de votre vie. Does that make you excited? Est-ce que ça vous rend excité? I'm going home. Et il a dit, let go. Laisse aller.